Qu'est-ce qu'un tunnel de vente et comment cela peut impacter positivement ton business et te permettre de vivre épanoui? On en parle maintenant. Je crois qu'on t'entend pas, hein. Tu passes sous un tunnel? Hello le monde, j'espère que tu vas bien. C'est David de businessbonheur.com et je te retrouve dans ce nouvel épisode de La Minute Marketing pour te parler donc de tunnel de vente. L'objectif, c'est de te permettre de comprendre pour mieux agir dans ton quotidien d'entrepreneur. Tu as très certainement déjà entendu parler de tunnel de vente. En fait, il s'agit d'une erreur de traduction car cela vient du mot funnel en anglais qui signifie entonnoir. La première étape d'un entonnoir de vente, c'est le statut de suspect. Il s'agit d'une personne qui n'a pas encore pris conscience qu'il a un besoin à régler, qu'il a notamment peut-être besoin de ton produit ou de ton service. Ce suspect va ensuite prendre conscience qu'il a un besoin, une attente ou une envie à régler. Et il va prendre conscience de cela peut-être grâce à toi, grâce à un article que tu auras publié, une vidéo YouTube que tu auras postée ou encore un e-book que tu lui auras offert en échange de son adresse email. À partir du moment où cette personne a pris conscience, elle devient prospect pour tout un tas d'entreprises qui pourraient l'aider à régler ce problème qu'il rencontre. Et c'est à toi d'attirer ce prospect pour qu'il vienne dans ton entreprise, pour qu'il vienne te voir plutôt que d'aller voir la concurrence. Et ça, cela peut se faire par divers moyens dont on reparlera dans les prochains épisodes. Une fois que ce prospect a été attiré, il est important de le convertir en client, ce qui est la troisième étape de cet entonnoir de vente, aussi donc surnommé tunnel de vente. Comment cela se passe? Eh bien, tout simplement en écoutant ton client et en repérant quels sont ses besoins, ses attentes et ses envies pour enfin lui proposer la solution idéale pour lui. C'est extrêmement important de comprendre cela. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on peut automatiser une partie de ce système. Et ça aussi, on en reparlera dans un prochain épisode. Une fois que la personne est devenue cliente, ton objectif, idéalement, devrait être de le fidéliser. En effet, avoir converti ce prospect en client t'a demandé une certaine énergie, t'a demandé très certainement du temps et t'a coûté de l'argent. Il est donc intéressant pour ton entreprise, pour ton business, pour ton projet, de fidéliser ce client. Comment on fait? Eh bien, simplement en restant en contact avec lui par divers moyens, par exemple la newsletter, mais aussi les chaînes YouTube, les pages Facebook, etc., etc. Extrêmement important d'avoir cela dans ta stratégie d'entonnoir de vente. Et pour finir, que dirais-tu de convertir ce client fidèle en ambassadeur, en personne qui va parler de ton produit en bien? C'est extrêmement intéressant de transformer un client fidèle en ambassadeur. Et comment tu peux faire? Eh bien, en lui proposant de devenir ambassadeur, en lui donnant certains avantages, certains cadeaux et en lui demandant, déjà rien que la démarche de demander à un client fidèle de parler de ton entreprise, ça fait la différence parce que 9 fois sur 10, les entreprises ne le font pas, ne mettent pas en place un système d'ambassadeur alors que ça peut être très simple. Ça peut simplement être à un moment donné de récolter un témoignage, de demander une recommandation sur LinkedIn ou encore un témoignage écrit que tu vas pouvoir mettre sur ton site internet et des incentives qui vont donner envie au client de parler de toi. Par exemple, pour mon livre « Mets du bonheur dans ton business », eh bien, je propose aux personnes qui parlent du livre d'obtenir un avantage financier, une contrepartie. Donc, si un partenaire ou un client vend mon livre et qu'il le désire, eh bien, il peut obtenir une rémunération sur la vente de ce livre. Je vais te citer un exemple rapide. Tu as quelqu'un qui est dans un centre commercial et il se rend compte par une affiche que demain, c'est la Saint-Valentin. Merde, il n'a pas de cadeau pour sa compagne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris conscience qu'il a besoin d'un cadeau, il va rentrer dans un commerce et il y a de fortes chances que ce soit le commerce dans lequel il y avait cette affiche qui lui a fait prendre conscience qu'il avait besoin d'un cadeau pour le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans ce commerce, il va par exemple acheter un bijou. Et lors de l'achat de ce bijou, le vendeur ou la vendeuse va lui demander s'il veut laisser ses coordonnées ou obtenir une carte de fidélité. Ensuite, il y a de fortes chances qu'il laisse ses coordonnées et
Cela permet à l'entreprise de le recontacter par la suite, de lui envoyer des promotions, de lui envoyer de l'information pour lui donner envie de revenir en magasin, potentiellement pour les prochains événements. On peut très bien demander au client quelle est sa date d'anniversaire pour lui envoyer un bon cadeau et lui rappeler que pour son anniversaire, eh bien, il pourrait offrir l'une ou l'autre chose. Donc vraiment, réfléchissez maintenant que vous avez pris conscience de ces 5 étapes des entonnoirs de vente à comment vous pourriez mettre des actions en place pour chacune de ces étapes. C'est ce que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode de La Minute Marketing. Il y a un épisode qui sort chaque semaine, donc abonne-toi et active la cloche des notifications pour être tenu au courant. Et indique-moi en commentaire quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour améliorer ton entonnoir, ton tunnel de vente, et également quelles sont les thématiques que tu aimerais voir abordées dans les prochains épisodes. J'ai en tous les cas, grand plaisir à te partager tout cela. Je te retrouve donc la semaine prochaine. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les cartes sont entre tes mains. Passe à l'action car sans action, pas de résultat. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com.